Bonjour, bonsoir toutes les amis, toutes les fanatiques qui ont fait la caille. Bienvenue sur la chaîne Paola, fais la caille. Nous parlons en direct de DCPJ, qui c'est Direction Centrale Police Judiciaire. Côté porte-parole, la police l'a présenté un ensemble de bandits que la police a cherché. Et ils ont demandé n'importe monde qui t'a un bandit ça. Nous parlons présenter nos photos ensemble avec vidéo bandit ça. N'importe quoi, tu as croisé ensemble avec eux et pour capable relayer la police capable arriver capturer eux. Nous, en direct de DCPJ, nous pourrons laguer nous pourrons quitter nous ensemble avec porte-parole PNH là, lui-même, dans une conférence pour la presse, l'a présenté nous, liste bandits que la police a cherché eux. On suit ensemble. Gagnons ensemble d'avis de recherche que la police mettait dehors concernant des chefs de gang que la population connaît. Maintenant, des populations appuient dans ce sens. Gagnons Audemars, base Savien. Il reprochait monsieur pour assassinat, enlèvement, vol de véhicules, détournement de camions de marchandises. Gagnons Joseph Wilson, alias L'an mort sans jour. C'est lui qui a fait actualité sur toute zone entière. Dans la population, regardez bien. Et quel que soit côté que vous ta oué, bandit ça, pas hésité à informer la police. Gagné Tissourit, ainsi connu, chef de gang. Innocent Vitel Homme. Assassinat, tentative d'assassinat. Benjamin Wilkinson. Cherizier Jimmy. Joseph Sévère. Chef de gang 17 euros. Alexis Ligon qui est Serge Runel. Elgen qui est Serge Junior. Mais si non jouet lui, c'est T-Junior. S'il a pris ainsi connu, Grand Ravine. Mano, ainsi connu, Village de Dieu. Mécanor, Waf Jérémy. Également, Bougoy, ainsi connu. Ronald, ainsi connu. Pour faut nous garder justement du site de l'entreprise là. Mais c'est deux maisons qui sont connues. Et ça fait que nous pas. Nous avons boîte là, mais nous parler justement étaler, mais gagner et plusieurs et transferts qui appellent. Donc, grand pile, mais nous parler citer nos entreprises là. Mais c'est le transfert qui arrive à joindre les prisonniers. Et j'en nous dis un. Et j'en nous dis un. J'en nous dis un. Il a enquêté. Nous connaissons exactement comment que ça a fait entrer. Parce que yo, en quantité, ça lit justement attire attention aux responsables pour enquêter. Nous toujours dans le DCPJ. Cette fois-ci, nous pouvons l'informer sur tentative d'évasion. Et qui était faite dans le pénitencier national, nous pourrons le montrer, nous, série des armes, manchettes, couteaux, armes à feu, que la police arrivait joindre en dans prison, en dans cellule prisonnière. En plus, on a demandé qui côté armes ça a passé. Non seulement tu as des armes, mais tu as gagné maïguana. Nous pourrons voir toute quantité d'armes, manchettes, couteaux, maïguana, armes à feu, que la police joigne en dans cellule prisonnier ça a. En plus, on a demandé comment zam ça a fait rentrer, comment et drogue ça a, marijuana ça a fait arriver en dans pénitencier national. On suit ensemble. Situation pendant le week-end au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, ici devant pénitencier national, côté que tu as une tentative d'évasion.
te genyen yon prizounye ki te rale yon zam son polisye. Heureusement, polisye sa li pa viktim. Otomatikman la polis rekomandman te vin au kouran, li depeche yon ekip e unité spesyalize PNH la pou ke yo tale e pren kontrol eksteryer e batiman. Nap note genyen 2 pistolet de calibre 9 mm. Yon revolver de calibre 38, 24 téléphones, ensemble matériel que nous avons gardé là justement, c'est des matériels que nous prenons en dans prison, dans cellule prisonnière. Gagné 33 cartes SIM, 101 petits paquets marijuana, yon gros paquet marijuana, 124 pics, 37 couteaux, 5 manchettes, et puis boîte ça, les gros quantités de fiches et de transfert que qui arrivait joindre prisonnier yo en prison. Pour le moment, enquête l'a pas approfondie au niveau de la police judiciaire pour que nous enquêter pour nous connaître exactement qui ça à la base de tentative d'évasion hein. Également tout pour probablement interpréter l'autre de monde qui justement t'a gain responsabilité yo dans ça. Au niveau centre de détention, il a toujours pour faire des fouilles et ceci à n'importe quelle heure. Et si effectivement et fouilles sont faites, n'a pas éviter justement pour plus et matériel qui interdit entrer en dans prison. Mais généralement toute prison à travers le monde et prisonniers ont toujours fait tout moyen pour que des bails viennent. Mais et c'est certain que mesure qui prend, il y a renforcé ce système là et par et plus policiers. Et vigilance dans tout est très important pour des bagages arriver, arriver jeune prisonnier. Par exemple, on prend trois armes à saisir là, ils représentent un danger pour la vie prisonnière et pour les policiers tout, qui en surveillance dans tout. Et ça nous dit que l'enquête là, est au niveau de police judiciaire pour enquêter, pour fixer responsabilité. Et dès que il y a une évolution dans l'enquête, ça, la presse a beaucoup.